Jeudi 14 décembre, les chroniqueurs discutent du projet de loi sur la fin de vie. L'occasion pour Pascal Praud de donner des nouvelles de Françoise Hardy qui vient d'accorder une interview à Paris Match. Et l'animateur explique que celle qui va bientôt avoir 80 ans en janvier, qu'elle ne veut pas vivre encore longtemps dans ces conditions. La question « qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour son anniversaire ?» elle dit « ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves comme l'impossibilité de respirer. Je veux partir dans l'autre dimension le plus tôt possible et le moins douloureusement possible. Parce que depuis mes dernières et récentes radiothérapies, je vais mal. Mon œil droit voit tout flou, c'est très douloureux. Ma narine du même côté est tout le temps bouchée. La bouche, l'arrière-gorge sont encore plus asséchées, c'est un cauchemar. Je peux plus rien faire, plus lire, plus regarder la télé. Un témoignage déchirant.